Salut à tous et j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La dernière fois, nous avons eu à voir comment créer son compte dans l'application Baoba. Et aujourd'hui, je vais vous faire une présentation générale de l'application. Mais toutefois, je tiens à vous faire savoir que lorsque vous créez votre compte dans l'application, vous recevez un reward de bienvenue de 15 euros, équivalent à presque 1000 francs CFA. Chose dite, on se retrouve tout de suite pour la présentation générale. Alors les amis, lorsque vous avez terminé la création de votre compte, vous vous retrouverez sur cette page ici, qui est en fait votre espace public. Ici, vous aurez toutes les publications des différentes sections auxquelles vous êtes abonné, et cela dépendra de vos différents centres d'intérêt. Donc, si vous êtes intéressé par exemple par la cuisine, vous n'avez qu'à vous abonner à l'espace cuisine et vous recevrez les publications de cet espace-là. Et en tout, Boba compte 20 sections que vous pouvez consulter à tout moment sur cette, en cliquant sur cette icône-ci. Vous voyez là, vous avez 20 sections. Par exemple, vous avez le sport, la santé, l'histoire de vie et les divertissements. Bon, ça dépendra de vos différents centres d'intérêt. Donc, si vous vous intéressez à une section particulièrement, vous n'avez qu'à vous abonner à cette section-là pour avoir des publications de cette section. D'entrée de jeu également, nous avons le clip clap. Ici, vous avez la possibilité de créer des shorts vidéo un peu comme sur YouTube et Instagram et que vous pouvez partager avec vos proches et votre famille. Donc, ça va dépendre de vous. Ici, vous avez le Boba TV. Le Boba TV, c'est quoi? C'est en quelque sorte un écran qui vous permet de jouer vos vidéos sans toutefois perdre l'actualité, sans toutefois arrêter de surfer. Donc, vous pouvez à tout moment lancer une vidéo et continuer à surfer sans toutefois vous concentrer uniquement sur la vidéo. Donc, Boba TV vous permettra de regarder une vidéo en même temps en scrollant pour découvrir de nouveaux contenus. Donc, vous n'avez qu'à cliquer ici pour l'activer, vous voyez. Et à tout moment, vous pouvez juste cliquer là pour refermer Baoba TV. Et ici, c'est votre playlist Baoba. Vous voyez, c'est la vidéo qui est en train de jouer là tout de suite. Ici, vous avez aussi une autre vidéo que j'ai essayé de lancer tout récemment, mais que je n'ai pas pu la regarder. J'ai juste à la mettre dans ma playlist à regarder plus tard. Ici, vous avez les vidéos de Baoba même. Donc ici, c'est Baoba même qui publie ici. À tout moment, vous pouvez consulter ces vidéos-là ici. Vous pouvez juste lancer, cliquer et supplier pour les jouer. Ok. Également, ici, vous avez la possibilité de lire une vidéo sans la vidéo. Comment? Je vous explique. Vous pouvez à tout moment lancer une vidéo en audio. Juste l'audio. Lire juste l'audio de la vidéo et conserver des data. Si vous allez prendre des data. Donc, vous n'avez qu'à cliquer sur cette icône-ci pour lancer une vidéo en audio à tout moment. Vous allez voir, la vidéo va lancer là tout de suite, mais en audio plutôt. Et le coût en data sera amoindri. Ici, c'est votre espace privé. C'est ici que vous verrez toutes les publications des membres de votre famille et de vos proches. Mais comme nous n'avons pas encore défini de membres de famille ou de proches, c'est pourquoi nous n'avons rien dans cet espace-ci. C'est un compte qui a été créé juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Toujours dans le porte, dans l'espace privé, nous avons le portefeuille qui est en fait le centre de transactions financières de votre compte. Donc c'est ici que vous pouvez être payé, acheté, transféré et recevoir des euros. Ici c'est le centre d'événements, donc c'est là que vous pouvez créer et manager vos événements privés. Par contre, là, ce sont des communautés. Ici, vous avez la possibilité de créer une communauté avec des personnes qui partagent le même centre d'intérêt que vous. Que ce soit dans la musique, le domaine de la musique, le sport ou la culture. Ici, vous avez les documents. Cet espace-ci, c'est en quelque sorte un espace de stockage. Lorsque vous naviguez dans l'espace public, que ce soit dans l'espace privé, et que vous voyez une publication qui vous intéresse, mais que vous n'avez pas malheureusement le temps de la regarder, vous pouvez juste l'enregistrer et revenir à tout moment regarder cette publication-là ici. Dans cette partie, nous avons les groupes. Ici, vous verrez apparaître les diverses publications de vos différents groupes. Donc, ici, vous avez la possibilité de créer un groupe en cliquant juste là. Ou bien à rejoindre un groupe en cliquant juste sur découvrir, et vous verrez là s'afficher les différents groupes.
disponible sur Baoba. Par exemple, on peut s'abonner sur ce groupe-ci. On peut rejoindre ce groupe-ci en cliquant juste là. Et puis on rejoint automatiquement le groupe. Et on commence à recevoir les publications du groupe en question. Donc voilà. Dans plus, vous avez l'espace pour les débats. Donc ici, vous pouvez débattre de l'actualité, du sport, de la culture, de la mode par exemple et autres. Ici, ce sont les pages personnalité publique. Donc ici, vous avez la possibilité de créer une page personnalité publique et qui équivaut un peu aux pages certifiées de Facebook. Donc ici, vous n'avez qu'à cliquer pour créer une page certifiée. Mais pour ce faire, vous devez adresser une demande à Baoba et dans laquelle vous devez expliquer les raisons pour lesquelles vous voulez avoir une page personnalité publique. Donc vous n'avez qu'à cliquer ici pour demander à avoir une page personnalité publique. Voilà en quelque sorte comment ça se passe pour avoir une page personnalité publique. Et ici vous aurez les différentes publications des pages publiques auxquelles vous êtes abonné. Donc ici, si je scroll, vous allez voir comme je suis abonné à ces deux pages ici, je vais recevoir automatiquement des publications de ces deux pages là. Par la suite, ici vous avez les événements publics, donc comme des concerts et autres événements publics qui peuvent être organisés dans votre région ou dans votre pays. Donc ici vous avez la possibilité de gérer ces événements là. En quelque sorte, voilà à quoi ressemble l'application Baoba. Ici c'est le centre de notification. Donc lorsque par exemple vous avez une nouvelle publication, vous avez reçu de l'argent dans votre compte Baoba et autres, vous allez voir cette notification là juste ici en cliquant sur la petite cloche en haut ici. Ici à tout moment vous pouvez contacter l'équipe Baoba si vous avez des suggestions, si vous avez une question, si vous avez un problème avec votre compte. Vous pouvez à tout moment contacter Baoba en cliquant sur l'icône du micro ici en haut. Pour cette autre icône ci, je vous l'expliquerai très prochainement dans une autre vidéo plus détaillée. Donc on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo. En tout temps, portez-vous bien. Toutes tes données sont sécurisées, tu peux faire tout ce que tu veux, même envoyer tes lasso.